Forcément, oui, la victoire nous fait du bien ce soir, mais on avait surtout à cœur de se rattraper de la défaite contre Bordeaux, ainsi que celle de Pau. Donc c'était surtout ce qui nous a animés avant le match. Donc voilà, déjà deux défaites à domicile, c'était énorme pour nous. Fallait que ça s'arrête là. Rémi Pitet nous a dit qu'avant le match, Romain est venu vous voir et vous a dit que vous n'en avez pas marre de passer pour les pipes, pour des pipes, et il t'a dit, toi Reda, on n'a pas marre de passer pour une pipe. C'est vrai que ça t'a énervé? Il n'a pas dit ça comme ça, mais... Il n'a pas dit ça comme ça, mais je connais bien Romain et on le connaît tous. Je pense que c'était une forme, voilà, il voulait nous motiver et voilà, faire un bon match, nous resserrer devant. Donc voilà, quand même, on connaît nos qualités, on sait qu'on a quand même un gros pack devant. Donc voilà, je pense qu'on devait s'appuyer sur ces forces-là au vu des conditions météo. Donc voilà, avoir une bonne conquête, c'était hyper important pour nous ce soir. Donc voilà. Ça vous a surpris d'ailleurs d'avancer autant en mêlée en première période, c'était assez impressionnant. Surpris, non, c'est normal. Non, je rigole. Non, non, non. On a bien bossé toute la semaine. Donc voilà, on avait à cœur d'être performant. Comme j'ai dit, au vu des conditions météo, il fallait que l'équipe puisse s'appuyer sur cette conquête-là. Donc voilà, non. On va dire qu'on a essayé de bien bosser. Tout le monde était concerné. Donc voilà. Malgré